Shalom à tous, bonjour à tous, et on revient dans notre étude, Shalom Uvracha. On revient dans notre étude donc de Maseret Avot, de Pirkei Avot, et on est arrivé à la Mishnah Bet. Et oui, on avance avec une vitesse incroyable, et donc nous sommes au chapitre 1, Mishnah 2. Shimon HaTzadik היה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. פסטוש! Les amis, quand on veut comprendre un enseignement, eh bien, il est fondamental de comprendre qui l'a dit et dans quel contexte il l'a dit. Car il est évident que l'endroit, le moment où les rabbins parlent a une importance capitale pour comprendre ce qu'ils disent. C'est évident. Et la question qu'on peut se poser, c'est Shimon HaTzadik, tout d'un coup, il a besoin de nous expliquer sur quel pilier le monde tient. C'est quand même une base, c'est quand même, semble-t-il, quelque chose de fondamental. Pourquoi est-ce qu'avant, on n'a pas ressenti le besoin d'expliquer sur quoi le monde repose? Eh bien, il semble tout simplement qu'avant, les choses semblent être évidentes. Je m'explique. L'époque de Shimon HaTzadik est une époque totalement particulière. Peut-être l'une des époques les plus importantes, les plus charnières, depuis Adam HaRishon. Et dans pas longtemps, on vivra également cette période charnière. De quoi je parle? Shimon HaTzadik vit plus minus en moins 350, plus ou moins, moins 330. Cette époque correspond à un moment où le monde entier vit une transformation énorme. Shimon HaTzadik vit à l'époque de Shi'are Knesset Agdola, de ce qui nous reste de la Grande Assemblée d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la Grande Assemblée d'Israël, on avait vu dans la Mishnah précédente qu'il y avait marqué « Unevim Messarua Le'anche Knesset Agdola ». On avait dit qu'on avait une perte particulière, puisque entre les Nevim et Anche Knesset Agdola, eh bien, on a perdu la Nevoa. En vérité, pour être véritablement fidèle historiquement parlant, au sein de Anche Knesset Agdola, il y a encore les derniers des derniers prophètes. Shimon HaTzadik vit donc une fois que ça y est, on est passé dans un monde post-prophétique. Et pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que la fin de la prophétie marque le tournant d'un nouveau monde. Comprenons bien qu'est-ce que ça veut dire la prophétie. La prophétie, ça veut dire que Dieu est présent sur terre. La prophétie, ça veut dire qu'on peut ressentir le divin. Je ne peux pas t'expliquer ce que c'est, je ne l'ai pas vécu. Mais c'est un monde où la présence divine est palpable. Quand tu sais la traduire dans le bon sens, tu deviens un serviteur de la Torah de Moshe. Et quand tu n'essaies pas le traduire comme il faut, tu deviens un idolâtre. Mais dans tous les cas, tu ressens la présence de Dieu. De la même façon que lorsque Dieu se dévoile au monde, eh bien, tout le monde le ressent, ne sait pas forcément le traduire bien, mais le ressent. Eh bien, de la même façon, l'arrêt de la prophétie va également avoir un impact sur le monde entier. L'arrêt de la prophétie arrive plus ou moins dans les années moins 400, juste avant Shimon HaTzadik. Deux générations, une génération avant lui, c'est la fin de la prophétie. Et je suis en train de vous dire qu'il y a un chamboulement dans le monde entier. Je rappelle qu'à cette époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Zoom. L'information ne voyageait pas entre les différentes zones géographiques, ou du moins très, très, très lentement. Et pourtant, dans le monde entier,
au même moment, sur une fenêtre d'une cinquantaine d'années, toutes les cultures vont faire un switch. Elles vont toutes passer de leur propre mythologie à une nouvelle façon de réfléchir et de penser. En Grèce, c'est l'époque de Socrate, où on va passer de la mythologie à la philosophie. Le monde a changé, tellement que l'élève de Socrate, Platon, dira qu'il ne comprend pas ses grands-parents qui se prosternaient devant des pierres. Il dit de deux choses l'une, soit ils étaient débiles profonds, soit ils ont parlé par parabole et nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'ils voulaient dire. Ça, c'est vrai en Grèce. Mais à l'est, loin de là, en Perse, eh bien, il y a un homme qui s'appelle Zarathoustra qui va changer toute l'idolâtrie perse de l'époque et baser sa religion sur le bien et le mal. Encore plus à l'est, vous avez au même moment un bonhomme qui s'appelle Gautama Siddhartha qui va annuler toute l'idolâtrie hindoue et qui va se faire appeler Bouddha et qui lance le bouddhisme. Encore plus à l'est, vous avez deux hommes qui s'appellent Lao Tse et Confuce, Confucius et Lao Tse, qui vont créer le taoïsme et le confucianisme, annulant l'idolâtrie chinoise de l'époque et basant toute une nouvelle philosophie. C'est-à-dire qu'on est au même moment où partout dans le monde, on arrête l'idolâtrie et on passe à autre chose. Pourquoi ? Eh bien parce que les âmes humaines comprennent que c'est plus pareil. Nous, au sein du peuple juif, ça coïncide avec l'arrêt de la prophétie. Shimon HaTzadik vit ce tournant, cette transition énorme. Et Shimon HaTzadik va donc devoir maintenant réexpliquer de manière intellectuelle ce qui était évident à l'époque de la présence divine. Shimon HaTzadik va d'ailleurs faire une rencontre assez incroyable. Le Talmud nous parle de sa rencontre avec Alexandre le Grand. Donc on est deux générations après Aristote, après Socrate, on a la génération d'Aristote. Alexandre va arriver en Eretz Israël et là-bas il rencontre Shimon HaTzadik. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'il y a une lettre d'un monsieur qui s'appelle Clearchos. Clearchos était l'aide de camp, l'élève d'Aristote, et il raconte que au fur et à mesure de ses voyages, Aristote a rencontré un juif du nom de Shimon, semble-t-il, Shimon HaTzadik. Il écrit que Aristote a été tellement impressionné par la sagesse de ce juif qu'on aurait presque pu penser qu'il était grec. T'imagines ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alexandre va rencontrer Shimon HaTzadik. Il y a toute une histoire là-bas. Alexandre, quand il le voit, il va se prosterner devant lui. Et ses généraux ne comprennent pas. Ils demandent pourquoi tu fais ça. Et il répond, eh bien, tout simplement parce qu'à chaque fois que je pars en guerre, la veille de la guerre, je vois une silhouette qui me bénit. Je ne sais pas qui c'est, mais grâce à lui, je gagne les guerres. Et là, maintenant, je le vois et c'est lui. Nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Shimon HaTzadik avait un métier. Quel était son métier à Shimon HaTzadik ? Shimon HaTzadik était quoi ? Il était le Kohen Gadol. Kohen Gadol ? Il a fait Kohen Gadol, Beth Amikdash, de la maison de Bnei Tzadok, des Tzadikim. Donc, Shimon HaTzadik, il est Kohen Gadol. Mais il a un autre rôle, il a une autre casquette. Il n'est pas que Kohen Gadol, il est également Nessi HaSanhedrin. Il est également le chef de l'Assemblée des rabbins. Mais il est également le préposé à ce qu'on appelait à l'époque Kupat Astarim, la caisse secrète. Un endroit où les gens pouvaient venir faire des dons et ces dons étaient reversés aux pauvres. Et Shimon HaTzadik est le préposé à cela également. C'est-à-dire que Shimon HaTzadik, dans sa vie, va faire trois choses.
il va s'occuper de la Torah en tant que Nasi Sanhedrin. Il va s'occuper de la Avodat Amikdash en tant que Kohen Gadol. Et il va s'occuper de Gmilut Hasadim en tant que responsable de la caisse secrète. Vous comprenez maintenant pourquoi Shimon HaTzadik nous dit « Ouaya Omer al shlosha dvarim a olam omed » Le monde tient sur trois piliers, à la Torah, à la Avoda, vers le Gemilot Hasadim. Shimon HaTzadik, ce n'est pas seulement une belle phrase qu'il nous dit. Il est cette phrase-là. D'ailleurs, c'est quelque chose de générique dans Pirkei Avot. À chaque fois qu'on va voir un chacham qui dit « Où aya Omer ?» Eh bien, ça veut dire « Où aya Mashéou Omer ?» Il était ce qu'il disait. Ce n'était pas quelqu'un qui prêchait, mais qu'on pouvait retrouver après dans des conditions absolument terribles. Et c'est une grande différence qu'on a avec Aristote. On a une histoire comme ça qui nous raconte qu'Aristote, un jour, est en train de manger et... Baruch Hashem, l'huile, elle dégouline le long de sa barbe et il s'essuie sur ses vêtements et tout sale. Et les gens lui disent, c'est bizarre quand même parce que il y a quand même une dissonance entre l'enseignement d'Aristote et le comportement. Et Aristote a eu cette très grande phrase, quand Aristote mange, ce n'est pas Aristote. Ou alors, il ne faut pas être un triangle pour enseigner la géométrie. C'est bien quand tu es philosophe. Parce qu'un philosophe, il aime la sagesse. Philo, Sophia. Aimer la sagesse. Mais il ne fait pas un avec cette sagesse. Talmidei Chachamim beYisrael, nos rabbanim, dans le peuple juif, sont ce qu'ils doivent être ce qu'ils prêchent. Ils sont en adéquation avec ce qu'ils disent. Sinon, va chercher un autre rabbin. Va chercher un autre rabbin. Tu veux que je te dise, si tu as un rabbin qui te fait toute la journée des cours sur la tzniout, mais que tu te rends compte qu'il a un comportement chez lui à la maison qui est oi va voy et qui regarde des films oi va voy, il change de rabbin. Tu ne peux pas aller étudier chez lui. Tu vois un rabbin qui t'enseigne Ilchot Kashrout, la Mehadrin mina Mehadrin, mais il se fait un jambon beurre. Ça ne tient pas debout. Il faut être cohérent, entier avec soi-même. En fait, c'est une grande notion du judaïsme, d'être cohérent. Je me souviens, une fois, j'ai fait la tfila, j'étais chazan, à la yeshiva de Echal Eliyahu à Kohav Yaakov. Et donc j'ai fait la tfila là-bas, et c'était à l'époque où le Rav Moshe Botchko, le père du Rav Botchko du Rosh Yeshiva, était encore en vie. Il était très âgé. Et donc je fais la tfila, c'était Mincha. Et donc je fais ma tfila et je dis, à chaque fois que je veux conclure sur la bracha, comme je suis d'origine ashkenaz polonaise, alors je dis tout le temps « Bouch ato adoyshem ». Bon. À la fin de la... Mais tout le reste de la tfila, je la priais en sonorité israélienne, à la sfarade. Et le Rav Moshe Botchko, il est venu me voir et il m'a dit « C'est pas bien. Tsarich harmonia b'chaim ». Il m'a dit, il faut de l'harmonie dans la vie. Alors, soit tu pries tout en sfarad, soit tu pries tout en ashkenaz, mais il faut être harmonieux. C'est-à-dire, il faut être entier. Si Shimon HaTzadik ou Aya Omer, que al shlosha dvarim haolam omed, à la Torah, à la Avodah, à la Gmilut Hasadim, il doit être lui-même Torah, Avodah, Gmilut Hasadim. Eh bien, je vous le donne en mille, c'est ce qu'il a été. Shimon HaTzadik s'occupait de la Torah en tant que chef du Sanhedrin, s'occupait de la Avoda en tant que
Kohen Gadol, et s'occuper de Gmilut Hasadim, de Tzedaka, en tant que responsable de la caisse secrète. Nous, à Koltov, Shimon HaTzadik, Metsuyan. Maintenant qu'on dit ça, hein, il va falloir qu'on rentre un petit peu dans « Ok, d'accord, c'est Adair. Mais c'est quoi ? C'est quoi ces trois choses sur lesquelles repose le monde ? À la Torah. Tov, la Torah, c'est Baro. C'est la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire à la Torah ? La Torah, Rabotai. La Torah a pour but de faire de toi quelqu'un qui peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est yafé, mais mieux que ça. La Torah, c'est ce qui me permet de dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, la Torah, c'est ce qui fait le lien entre toi et lui. Ou plus exactement, entre lui et moi. Za Torah. Donc la Torah, c'est ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom. Après, il y a à la Avoda. Mazé Avoda. Avoda, c'est Avodat Akorbanot. Les sacrifices. Aval un korban. Un korban, ça vient du mot karov, lehit karev. En d'autres termes, se rapprocher. Le korban a pour rôle de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on vit dans un monde sans korbanot. Mais les korbanot ont pour rôle de donner une réalité à toute la vie. La vache qui est amenée sur le Mizbéach nous fait prendre conscience que toutes les vaches dans ce monde ont un rôle à jouer. Et ça leur donne une réalité profonde à toutes ces vaches. Vous savez, à l'époque, il y avait une pub en France qui disait « La vache qui rit ». Mais on ne sait toujours pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Parce qu'une vache qui a amené en korban la Hachem, et c'est Simcha. Simcha Gedola. Une vache qui est mangée stam, parce qu'un mec, il a envie de se faire un steak. Non. Mais une vache qui est mangée Bigdoucha, oh oh, elle permet de relier grâce à elle tout le monde animal à Kadosh Baruch Hu, à part l'intermédiaire de ce mec qui est en train de la manger. C'est pour ça que la Gemara nous dit que Am Haaretz, il n'a pas le droit de manger de la viande. Quelqu'un qui ne saurait pas élever et utiliser cette viande pour ben, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de lui prendre sa vie ? Nous dit Agmara Beshabbat, il a le droit. Même ce mec à Maharet, parce qu'il a une Neshama Yetera, il comprendra. Mais on comprend l'idée. Que si l'objectif, c'est de se rapprocher de Dieu, si j'en suis pas conscient, c'est un problème. Donc Avodat à Korbanot, c'est Ben Adam Leatzmo. C'est moi qui apporte mon Korban et qui me rapproche à Dieu. Vous pouvez également dire que c'est l'inverse. Que la Torah fait de moi quelqu'un de mieux. Ben Adam Latzmo, Beotia Korbanot, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Ben Adam Lamakom. En fait, ça dépend de quelle Torah et de quelle Korbanot. Quand on parle de Torah Tamoussar, c'est pour moi être quelqu'un qui a des bonnes midot. Et quand je parle de Korbanot Ola, c'est pour Dieu. Mais lorsque je parle d'une Torah qui me fait faire des mitzvot qui me rattachent à Dieu, Shabbat, et quand je parle de Korbanot Ratat, alors c'est pour moi. Il y a ces deux dimensions. Et il y a également Ve'al Gemilut Chassadim. Et ça, ça me paraît évident. C'est Ben Adam Lachavero. Faire le bien envers son prochain. Ce sont sur ces trois piliers-là que le monde repose. Yefemad. Il y a juste un problème. Vous avez compris.
si le monde entier repose sur ces trois piliers. Trois, c'est très bien, c'est stable. Trois, ça bouge pas. Mais si tu en enlèves un, tout va s'effondrer. Aujourd'hui, il y a Gmilut Hasadim. Aujourd'hui, il y a Torah. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Bet Hamikdash. Et donc, s'il n'y a pas de Bet Hamikdash, il n'y a pas de Avoda. Et s'il n'y a pas de Avoda, eh bien, un des piliers sur lequel le monde se repose n'est plus là. Comment est-ce qu'on peut gérer un truc comme ça? Si effectivement la Avoda n'existe plus aujourd'hui, alors le monde devrait repartir au Tohu Bavohu. Alors je vous rassure, le monde ne va pas s'effondrer. Pourquoi? Parce que Bet Hamikdash, il y a toujours. Il y a toujours un Bet Hamikdash là-haut. Et il y a toujours une Avoda là-haut. C'est ce que nous dit le Midrash. Que Bechol Yom Vayom, depuis la destruction du Bet Hamikdash, Michael Asar Agadol Makriv de Bet Hamikdash Shel Mala et Nishmoteem Shel Atzadikim. Que Michael, le grand ange, eh bien, il amène sur le Misbéar d'en haut les âmes des tzadikim. C'est terrible. C'est terrible parce que ça veut dire que tant qu'on n'a pas de véritable Bet Mikdash et de véritable Misbéar, eh bien, ce sont nos tzadikim qui prennent pour la génération. Il est temps de ramener la réalité à une réalité de Mikdash, de ramener véritablement ce troisième pilier dans ce monde concret. Pour que enfin Torah, Avoda avec Milut Hasadim puisse à nouveau remplir le monde. À la Torah, vers la Avoda, vers la Gmilut Hasadim. Ben Adam le Makom, Ben Adam le Atzmo, ou Ben Adam le Chavero. Une fois que ces trois piliers sont réunis, alors nous pouvons être un monde qui peut avoir le dévoilement de Dieu. Je rappelle que Shimon HaTzadik parle alors que le Wi-Fi vient de tomber, vient de bugger. Shimon HaTzadik nous dit, pour que le Wi-Fi revienne, que la Nevoa revienne, eh bien, on a besoin d'avoir ces trois éléments de Torah, Avoda, Gmilut Hasadim. S'il en manque un des trois, eh bien, semble-t-il que le Wi-Fi également va avoir du mal à rentrer. Donc, il ne nous reste plus qu'à construire le Bet Hamikdash. Et yalla Nevoa. À bientôt, les amis.